La Bible dit dans Proverbe 27 au verset 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme excite la colère de l'homme. Dites-moi, le fer aiguise le fer. Bible, second 21 dit, le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Hein? La Bible française courant dit, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de te dire? Quel est mon propos? Mon propos est que, tant que tu es seul, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Mais quand ta femme entre, pourquoi elle est un accélérateur de destinée? Parce que quand elle entre, elle vient t'aiguiser. Qu'est-ce que c'est qu'aiguiser? Quand deux fers s'aiguisent, on voit des étincelles, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on voit des étincelles? Parce qu'ils sont de même nature. Hein? C'est comme si, par exemple, tu prends une épée, non, un couteau. Tu prends un couteau, et puis, le couteau, il est très beau. Tu vois, il a un beau manche, tout ça. Mais si ce couteau est beau, mais il n'arrive pas à couper, il ne sert à rien, ok? Pour que le couteau soit bien tranchant et arrive à bien couper, il faut qu'on le mette sur une machine qui est faire comme lui. Et puis on va le limer. Et quand on va le limer là, ça va faire des étincelles. Tu vois? Qui dit des étincelles dit que ça fait très mal. On le... Ainsi, quand deux personnes décident de se mettre ensemble, c'est très naturel pour Dieu qu'il y ait des étincelles. Il y en a qui pensent que quand on est ensemble, il ne faut absolument pas qu'on ait de problème. Quand on n'a pas de problème, quand on n'a pas de conflit, quand il n'y a pas d'étincelle, ça veut dire que tout va bien. C'est faux. Souvent, quand il y a des étincelles, c'est là où en fait tout va très bien. Dis avec moi, avance, pasteur. Quand vous vous frottez, frotti, frotta, quand vous vous frottez, je découvre en fait, plus j'entre dans la révélation et plus je découvre que quand deux personnes choisissent de se mettre ensemble et qu'elles grandissent dans leur union, c'est normal qu'il y ait des conflits. Parce que leur caractère et leur comportement doivent s'ajuster pour être parfaits ensemble. Et pour s'ajuster, pour qu'ils soient parfaits ensemble, il faut qu'il y ait des étincelles. Donc ça fait mal. Quand vous n'êtes pas mature, oh tu m'as fait mal, oh tu m'as blessé, oh nous nous sommes blessés. On s'est blessé, vous vous êtes blessé, ils se sont blessés. C'est fini, ça veut dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ça ne peut pas marcher. Non, c'est normal. Dis avec moi, c'est normal. C'est normal. Vous apprenez à vous connaître, vous êtes en train de vous ajuster. Certains conflits, pas tous, mais certains conflits, surtout les conflits d'humeur, les conflits de comportement, les conflits de valeurs, plein de choses. C'est pas, vous vous mettez ensemble, vous aimez trop les novelas. Vous aimez trop ces films-là avec l'amour parfait. Ils sont toujours là au bord de l'eau. C'est l'amour millénium, etc. Non, ça c'est de la fiction. Le vrai amour, il y a des étincelles. Il y a les étincelles de joie et puis il y a aussi les étincelles de dispute. Il y a des matins, tu te réveilles et puis tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas envie de la voir et t'énerve. Elle t'énerve. Il t'énerve. Vous vous énervez. C'est très normal. Il y a des fois, vous étiez d'accord et puis après, elle a changé d'avis. Il a changé d'avis. Et puis, au lieu de vous demander pourquoi tu as changé d'avis et puis on s'assoit et on communique, on discute. Non, vous laissez s'installer un froid et puis vous vous boudez. Non, il faut parler, il faut vous accorder. C'est très normal. Quand des musiciens commencent à jouer ensemble, pour s'accorder, il faut d'abord qu'il y ait du boucan. Après, ils s'accordent. L'histoire de vous aimer là, ce n'est pas notre problème. Quand vous regardez un concert, les musiciens ne s'aiment pas. Ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre. Ils doivent juste s'accorder pour pouvoir produire une musique parfaite. Alléluia. Aujourd'hui, en ce moment, c'est la Coupe du Monde, n'est-ce pas?
les équipes sont en train de jouer. Dis-moi, tu penses que toutes les équipes qui passent à la télévision, les joueurs sur le terrain, on t'a dit qu'ils s'aiment? Ce n'est pas notre problème qu'ils s'aiment, ce n'est pas notre problème qu'ils sortent ensemble, ce n'est pas notre problème qu'ils aillent en boîte ensemble, ce n'est pas notre problème. Tout ce qui nous importe, c'est qu'ils gagnent le match. Imaginez qu'on dise, l'équipe du Gabon, ouais, voilà, alors, grande nouvelle, journal de 20h, alors, Pierrick Aubameyang est allé dans un restaurant avec tel joueur de l'équipe, etc. Et, où est notre problème? On s'en fout. Tout ce qui nous importe, c'est qu'il nous gagne les matchs. Et tout ce qui importe Dieu, ce n'est pas votre amour. Ce qui importe Dieu, c'est que vous gagnez le match de votre destinée. Donc, vous n'êtes pas ensemble pour vous aimer. Si vous vous aimez, tant mieux. C'est bien, aimez-vous et ça compte aussi dans l'équilibre du couple. C'est très important de s'aimer. Mais ce qui importe, c'est de découvrir le but pour lequel Dieu vous a mis ensemble. Donc, un jour, il peut y avoir une grosse crise dans votre couple. Et c'est là le mystère du mariage qui a été révélé l'année dernière. C'est là le mystère, la révélation du mystère du mariage. C'est votre capacité à vous pardonner mutuellement et à surmonter vos crises pour atteindre l'objectif ensemble. Oui.